Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui donc nous nous retrouvons sur comment c'est déjà, j'avais dit oui, l'Empire de MDJ. Donc un let's play sur le jeu César 3, un vieux jeu qui est sorti sous Windows 98. Et donc nous nous retrouvons donc pour l'épisode 5 si je ne m'abuse. Et on a bien avancé vu que je viens de regarder, ma prospérité est passée à 25. Et il me manque que les faveurs de César. Alors, et j'ai un doute sur la population, si on est assez en population. En tout cas, on a un fort taux de chômage. Et mes impôts sont pas du tout à l'équilibre. Donc, heureusement que le... Comment ? Que le... l'export de marbre fait son travail. Donc, non, il me manque 500 en population. Donc, parce que je suis à 2017 exactement. Donc avant d'avoir les faveurs de César, déjà on va attendre qu'il nous demande quelque chose. S'il nous demande quelque chose, évidemment on rentrera dans ses faveurs parce qu'on a tout ce qu'il faut pour lui répondre. Et donc voilà. Donc on va s'occuper un petit peu de notre population pour essayer de la faire augmenter. Même si je pense qu'on essaiera de passer de force si César nous demande quelque chose. J'entends par passer de force en fait mettre des habitations partout autour des routes et partout dans les espaces vides. C'est une façon un peu barbare, hein, c'est un peu pas triché, mais bon. Si ça peut nous permettre de passer le niveau suivant, on le fera. Je répare tous les dégâts qu'il y a eu. J'envisage de créer encore une zone résidentielle quelque part. Je pense là en fait. On va partir là-dessus. On va partir sur une nouvelle zone résidentielle. Assez indépendante. On va essayer d'exploiter une industrie. Notre industrie, qu'est-ce que l'on a en industrie? On pourrait très bien essayer de faire... On pourrait encore essayer de faire du marbre. Parce que je vous dis, le marbre c'est super rentable, même si on a ce qu'il faut en marbre. Donc on va faire ça. On va partir sur une autre industrie spécialisée dans le marbre. Et puis on verra bien ce que ça donne. Donc c'est parti. Donc on va déjà construire un pont surélevé. Parce que là en plus des bateaux passent, donc obligatoirement surélevé. Non, je ne veux pas détruire le pont que je viens de créer. Ok, alors, et où est-ce que nous amène cette route? On a une belle ligne droite là. Ouais, je vois qu'il y a là. Ça fait un peu court peut-être. Ouais, on va faire ça comme ça. On va construire donc une zone résidentielle ici. Oups. Annulé. Je suis à 100% moi. Non, je suis à 10%. Ok. Donc un petit réservoir qu'on va mettre là. Parce que voilà. Bien sûr, il y a toujours les moutons qui font chier, ça change pas. Allez, va-t'en. Et puis, j'en mettrai une là. Bon, en attendant, on va mettre les plazas.
Ok, ça c'est bon. On va déjà commencer par la base, ça veut dire préfecture, études d'ingénierie. Donc tout ça, je le rappelle, c'est pour pas que ça s'effondre. Un dispensaire. Parce que si je vais pas dire dispensaire. Ok. Ensuite, nos jardins. Il leur faut un temple. Qu'est-ce que j'ai pauvre? Oh là, on va encore faire du Vénus. Hein. J'abuse un petit peu trop sur Vénus, je pense, mais bon. C'est pour pas me fâcher avec les féministes, ça. Ah bon, théâtre. Le marché avant. J'oublie le marché. Le marché, on va le mettre plutôt dans ce secteur-là, je pense. Ça donne pas mal, là. Coup de plaza. Hop, voilà. Théâtre, je disais. Chier, bon, on va le mettre juste à côté. Quand les moutons se seront cassés. Donc, théâtre, forum. Donc, on va mettre là le forum. Au bout d'un moment, ils vont nous demander une terme. Donc, autant la mettre tout de suite. On sera tranquille. Bibliothèque, école. Tout le parda. Mettre une bibliothèque ici. Et on verra le reste plus tard. Déjà on va faire donc nos ateliers qui sont la raison pour laquelle on est là. Ok, donc on va. Est-ce que là je peux pointer? Ouais, là je peux en pointer une. On va essayer d'en foutre un peu partout, hein, pour exploiter au maximum. Par là, je peux. Voilà. Par là, je peux, c'est nickel. Je peux même une sacrée quantité. Voilà, comme ça, j'ai carcolé une étude d'ingénierie dans le secteur. Voilà, pour éviter que ça s'effondre. Là, il me faut évidemment une route. Pour une seule, ça m'ennuie un peu, mais bon, je vais remettre une étude d'ingénierie. Normalement, par là, ça devrait plutôt bien se comporter. Est-ce que par là, je peux la coller, l'école? Non, je peux pas. Si ça va pas, je détruirai pour mettre l'école. Donc, ça, ce sont les plus d'argent. Donc, évidemment, tout ça, il va falloir qu'on stocke. Donc, on va stocker. Je pense que de toute façon, c'est parti, on va la détruire, la petite partie. Et ici, on va se faire un petit entrepôt encore spécialisé dans le marbre. Et le jour où on coupe le marbre, et ben c'est la merde ici. Bah bon. On va mettre deux. Ça, je suis sûr que le marbre, au moins, on n'est pas embêté. Et puis, de toute façon, on peut toujours en exporter. Donc, ok. Et eh bah, écoutez, on accélère ça pour voir ce que ça donne. Après, je tournerai de l'autre côté de la cité, voir. Ok. Ça commence à. Pas par ici toujours.
On est à 2300 population. Allez vers la zone de trou. Ok, c'est encore ici. Bon, ici j'abandonne. Si c'est clair, c'est net, j'abandonne. Mon grenier. J'avais dit d'arrêter les fruits. Finalement, tu vas aller en chercher. Voilà, donc toute cette zone là, hein, on est d'accord. Hop. Moi personnellement, je vais plus en entendre parler. Tout se passe bien. Par là. Ça sera pas effondré. Une vraie fourmilière, hein, ma cité. Bon. S'effondre, c'est pas possible. Oula, ah d'accord, oui. Bon, dommage, c'est bien parti. Bon, je suis toujours à 2300 population, j'ai 84 000 en argent. Donc marbre, voilà le travail quoi. J'ai un entrepôt plein. Il n'y a pas, il me faut de la nourriture, il me faut de la nourriture. Et malheureusement tout ça là-bas c'est impossible à gérer. Bah ça marche pas non plus. Allez, et on va commencer à faire ce que je disais. C'est-à-dire à foutre de la population un peu partout. Pourvu que ça tienne, quoi. À la fin, on envoie un cadeau à César et il est content et puis on... Il me faut plus que 200 en population, donc c'est bon, je veux dire, même si voilà, la population c'est un petit peu mal foutu. Bon, tout ce qui est trop éloigné des routes, ça va disparaître, hein, c'est pas un souci. Là franchement. Bon. Sûr j'atteins les 200. On va aller voir rapidement. Ma prospérité elle a descendu. Ouais mais elle va réaugmenter. Et auprès de César on va aller le voir. On va lui envoyer un petit cadeau. On va lui envoyer des guépards et des girafes. Envoyer un cadeau somptueux. Ça m'a coûté un peu cher mais bon. Allez, vitesse. J'espère que j'ai pas trop fait de conneries là. Allez, on va voir ce que ça donne. Allez. Allez, ça augmente. 2400. 2500, c'est bon. Alors, on est déjà à la population. Ça prend feu, ça fait rien. Je suis à 3000. Enfin, presque. J'ai passé 3000.
je viens de me rendre compte que j'ai oublié de lancer le chrono. Bon bah ça fait rien. On fera ça. De toute façon je vais jusqu'à la fin de cette partie. Ah la gueule de la prospérité. Oh le bordel. Non j'ai fait le con là. Bon j'ai fait le con, je recharge. Bon je vais essayer de remonter la pente. Mais clairement, oh non, tout s'est effondré ici. Je sais même plus, il y a des dégâts, je sais même plus le colisée, putain le colisée s'est effondré quoi. Non, je recharge. Je recharge la partie. Non, c'était un peu idiot. Bon, allez. On est reparti, on se concentre, on. Production de nourriture, c'est ça qui merde. Donc clairement, et là si là je peux faire passer une route. Donc on va la faire passer, donc ça me fait deux fermes supplémentaires. Ici il me faut absolument de la population, donc on va. Ça, on va le détruire déjà. Hop, parce que j'en ai rien à secouer. Et puis ouais, faut pas la route qui va avec quand même. Et qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut donc le réservoir que je vais poser ici. Citoyen, une petite fontaine. On va essayer de leur poser un petit marché. Ah, peut pas. C'est vraiment histoire d'alimenter les deux fermes là quoi. Rien de plus. Allez barrez-vous que. Ah, hop. Une petite préfecture quand même, mais même si je sais que pas trop de risques. Le forum et le temple devraient agir pour eux quand même. Bon, eux, qu'est-ce qui, de quoi ils ont besoin, même si je peux pas vraiment leur prendre. C'est la nourriture, c'est toujours la nourriture. Oui, je disais le grenier. Tu vas réaccepter les fruits. On a besoin d'en fournir de toute façon. Qu'est-ce qu'il leur faut? On va bientôt évoluer. Bon, ok. C'est la bouffe, j'ai un gros problème de bouffe. Ah ouais, donc résultat ici, ça s'est pas effondré. On va quand même essayer de la. Eux, on va essayer d'améliorer leurs conditions de vie quand même. Parce que c'est vrai que.
réservoir. Où est-ce que je peux caser un réservoir? Sûr que si je le case là, là, à la place de la forêt, là, ça va pas le faire. On va faire un peu plus petit, ça. Juste pour pouvoir caser le réservoir. Même si je sais que le réservoir a un aspect négatif. Enfin, trop près, ça a un aspect négatif. Oh, quel con. C'est la fontaine que je veux. J'aurais dû la mettre plus au centre. Ça, ça... On va essayer de leur mettre un petit marché quand même. Temporairement, les zones de construction abîmées, je vais pas les reconstruire. Parce que de toute façon, ça tient pas. Et puis, ça va pas quoi. Donc, pas de nourriture, bah, je peux pas faire grand chose pour vous, j'ai pas de quoi le placer. Tout s'écroule, ça me gonfle, ça me gonfle! On va essayer de réduire encore la zone pour essayer de leur donner un minimum de quoi vivre, mais bon. Pas d'école. Bon, on va essayer d'améliorer quand même le cœur de cité pour voir un petit peu ce que ça donne. Ah si, je peux là. Taudis là, qu'est-ce qu'il a? Bibliothèque. Bibliothèque, moi je veux bien, mais là je peux plus vraiment caser grand chose ici. Coliser là-bas, tu déconnes un peu. Oh, j'en ai marre de pas. Allez, hop, vous vous démerdez. Passer d'attrait dans le secteur. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont pas de... Ah,
bas de jardin. Bon. Eux, qu'est-ce qu'il y a? Bah, eux, c'est pareil, c'est l'attrait en fait. C'est parce que eux, ils sont pas contents parce qu'il n'y a pas de. Parce qu'il n'y a pas de jardin. Ah, tant pis. Bah écoutez, j'essaye de remonter parce que là je suis à 2400, j'ai tous les niveaux qu'il me faut pour passer le niveau suivant. Il manque juste 100 populations, donc je remets ma population qui a été détruite. Il me manque 52 populations et c'est bon. Et après, voilà, c'est bon. J'ai la population nécessaire. J'ai tout ce qu'il me faut, sauf la faveur de César. Donc, César. On t'envoie... non. Envoyez un cadeau. Cadeau somptueux. Ok. C'est un petit peu... Je sais plus où est-ce qu'on voit le mois. Ouais, c'est là-bas. Hop, voilà. On est à combien? On est toujours bon. On renvoie un cadeau à César. Bon. On va pas le passer ce niveau. Hop. Je vais tenter un truc quand même ici. Ça va pas être très beau à voir hein. Wow, super utile le truc. Il donne un plat sur un caillou, je peux rien faire. Allez, hop. On passe là-bas. Hop, vous pouvez caser la population. On va en caser ici. Là. Petit réservoir. Alors, des fontaines. Moi je l'en mets en normal.
Juste me faire une grosse zone résidentielle ici, sans activité, sans rien. Tant pis, il va y avoir un peu de criminalité, mais ça va être. Mais c'est pour être pour garantir mes 2500, parce que là je suis retombé en dessous des 2500 de population. Voilà, donc. Comme c'est ici, bah, je peux mettre ce qu'il faut, c'est-à-dire marché, petit temple. Alors je sais que j'ai dépassé un peu, que j'ai mis mon chrono en retard, mais bon, tant pis, pas grave, vous aurez du temps, ce sera du temps bonus. C'est pas grave. On fait ce qu'on veut, hein. Ok, théâtre. Donc là-bas, c'est pareil, il manque un marché. On va mettre une école. On va mettre une terme, tiens, parce que les termes. Souvent ils me demandent des termes et j'ai pas prévu de les mettre, donc là c'est trop loin. On va la mettre là. Les plazas. Ça, ça va me garantir juste les 2500, même s'il va y avoir de la criminalité, je le sais. Je dois quand même rajouter une préfecture et une étude d'ingénierie pour tout couvrir. Évidemment, ils peuvent tomber malades, donc dispenser, dispensaire. Oui, j'y arriverai pas à m'y faire. On est pas mal là. Ah non. Attendez, c'est pas parce que c'est prévu d'être à ghetto qu'ils vont pas payer d'impôts. Ok, on va voir ce que ça donne. Déjà, on va voir au niveau de. Pour bon, tout ça, on est bon. Non plus que César. C'est 70, ça sera fait. Se mettre à 80. On va tenter un truc. On va réduire notre salaire. Ça, souvent, c'est apprécié. Quand on est en sous-salaire, quand on. Voilà, j'ai 2800 population, donc là je suis bon. Votre réputation s'est améliorée. Ok. Ouais, mais bon, j'ai gagné qu'un point. Envoyer un cadeau à César, mais moi je peux utiliser tout mon pognon à ça. Hein. Cadeau somptueux, allez. Ah, on est pas loin. Attendez, j'ai pas vu le reste. Ah, la prospérité, on est retombé. Merde.
Bah écoutez, ici de toute façon, on va juste, on va juste faire ça et puis on va mettre un peu de jardin. Juste parce que voilà, c'est ce qui leur manque et puis. Que t'es gentil mais ça va être dur là de la caser. On peut éventuellement remplacer une poterie par par ça. Allez hop, c'est parti. Voilà, comme ça mon niveau de prospérité il est repassé au bon. Et normalement si je renvoie un cadeau à César, normalement on est bon. Gagné. Ouh, oui, ben on l'a fait. Taraco's food exports got the empire through a dark period. Citizens owe you their lives and governors their jobs. Harvests are now returning to normal. And I have a new use for your talents. Ok. Et trésorerie finale quand même 102 000. Hein. Niveau finance. Ici. Très dangereuse. Et ici. Plutôt calme. Oui, donc ok. Ah oui, oh, je sais ici. Je crois savoir ce que c'est ici. Ici. Oh. Je crois que ça, c'est une région désertique et tout s'effondre en permanence et c'est super chiant. Il y a des incendies constamment. Mais ici, c'est là où j'ai déjà rage quitté parce que je me suis fait défoncer ma cité par les barbares. Ah, plutôt oui, c'est celle-là. Our recent expansion in the east must continue. Now that the Greeks have reluctantly. Allez, population de 5000. Ah ouais, puis voilà, puis on a que ça en nourriture et ah oui, et puis les poiscailles quoi. Ok, bon, on va déjà réduire la vitesse. Écoutez. Attendez, je vais faire un truc. C'est bon. Alors, je sauvegarde. Juste petite ellipse. Je regarde un truc et je vous reprends tout de suite. Tout de suite. Oui, non, donc j'ai regardé le temps en fait. Bon, ça fait 40 minutes que cet épisode dure. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous le désirez. Et puis, ben, je vous dis à bientôt.